Je vous présente la contrebasse, l'instrument le plus grave et le plus gros de la famille des cordes. Dans l'orchestre, les contrebasses se trouvent derrière les violoncelles. Tandis que les autres instruments à cordes sont accordés en quinte, la contrebasse est accordée en quarte, comme ceci. Sur cet instrument, il y a une extension qui me permet de jouer jusqu'à un do. Quand l'extension est fermée, on a la note normale, qui est à mi. Et quand elle est ouverte, on a un do qui est plus bas. Et sur l'instrument que je joue dans l'orchestre, il y a une cinquième corde qui me permet de jouer encore plus bas jusqu'à un si. On peut imaginer un dinosaure qui gronde. On peut aussi jouer assez haut. Une autre particularité de la contrebasse, c'est l'accordeur de la cheville. Comme on a des cordes beaucoup plus longues et plus épais, ces accordeurs nous permettent d'accorder beaucoup plus progressivement et précisément. Nous avons besoin d'un archet pour faire sonner la contrebasse. On a deux options différentes. L'un est l'archet français. Et ça, c'est l'archet allemand. On le tient par-dessous. Dans l'orchestre, le pupitre des contrebasses joue très souvent les bases harmoniques et rythmiques. Mais parfois, on a aussi des mélodies. Pour créer un effet différent, on joue très souvent aussi en pizzicato. Le pizzicato, ça veut dire de pincer les cordes avec nos doigts. Voici un exemple où on commence par jouer le thème d'abord avec un archet. Et puis, on passe en pizzicato pour avoir un caractère plus vivante. La contrebasse est utilisée dans toutes sortes de musiques, comme le jazz, le blues et la pop. Thank you.